Namasté, bienvenue à toutes et à tous. Je vous salue en présence et en lumière et j'appelle la source, notre source, à être avec nous. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Sur le plan terrestre, je me nomme Nikolaya. Donc, c'est un nom que j'ai moi-même choisi. Et ça veut dire tout simplement Nicolas de Gaïa. Et le troisième A, c'est la référence à la Trinité. Donc il me fait grande joie d'être parmi vous pour ces nouvelles rencontres en lien avec le Nouveau Monde, dans le cadre des événements Rencontrons le Nouveau Monde, où je vais parler de l'origine de l'être humain, de l'origine de l'humanité, notamment à travers son ADN, et en reliant avec déjà les anciens du Grand Soleil Central qui ont porté notre ADN lors de sa création originelle, et également en lien avec 22 peuples des étoiles qui nous ont légué, qui nous ont donné leur ADN, les meilleurs aspects d'eux-mêmes, pour que nous puissions faire notre expérience terrestre. Alors, bien sûr, il y a eu de multiples circonstances et de multiples vécus à ce sujet dont je parlerai en conférence et je parlerai aussi de la manière de comment revenir à cet ADN originel, cet ADN divin à travers, on le sait maintenant, les 12 brins, 24 et même 36 brins d'ADN. Et donc ce sera également quelque chose qui va être activable via la méditation et le soin que je vais pratiquer l'après-midi. Donc il y aura la méditation d'activation de son pilier de lumière infini. Et donc on verra que en allant dans les profondeurs de soi-même, dans les profondeurs de l'être infini que nous sommes toutes et tous et que chacun incarne, eh bien nous allons pouvoir nous reconnecter à notre divinité et par cela même, par la présence, par l'intelligence divine, l'intelligence de la lumière qui va s'exprimer dans l'amour de la présence source, eh bien nous aurons de nombreuses bénédictions et de nombreuses activations qui seront propres à chacun parce que je pose l'intention que chacun reçoive ce dont il a besoin sur son chemin au moment où la méditation sera pratiquée. Donc ça peut être des activations de corps de lumière, des soins, des guérisons, des allègements, des transmutations, des purifications. Les bénéfices vont être innombrables et je suis toujours accompagné d'une formidable équipe d'êtres de lumière, de splendides vibrations. Et également, bien sûr, je pose l'intention que vos équipes soient présentes également en assistance de votre soi divin souverain. Voilà donc pour le résumé de ma présentation, donc qui va être très riche avec pour le matin, cette conférence sur l'humain, sur l'homme divin avec le but et sa destinée et les activations du pilier de lumière infinie. L'après-midi, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une magnifique continuation, une magnifique journée dans la lumière, une toujours. À bientôt et portez-vous bien. Bonjour, je suis Clotilde Apostole, je suis une passionnée de la vie en quête de sens depuis plusieurs années. J'ai un lien très particulier avec la nature, comme
pouvez voir autour de moi, et aussi, surtout, les chevaux qui m'ont fortement aidé dans mon développement personnel et spirituel. Cela fait plus de 40 ans que je travaille avec les chevaux et 14 ans maintenant que j'ai créé aussi une méthode d'accompagnement avec les chevaux pour les professionnels et aussi pour les particuliers. Donc, j'utilise en partenariat avec les chevaux un accompagnement grâce à leur puissance et à leur vibration pour nous aider dans notre reconnexion à soi, à notre reconnexion à notre conscience, à notre présence, par le ressenti. Une chose très importante dans notre cheminement spirituel et aussi personnel. En 2016, j'ai vécu ce que j'ai appelé, moi, une expérience de walk-in qui m'a fortement accélérée dans mon processus d'éveil. Et cette expérience, en fait, m'a reconnectée avec des mémoires de ma conscience dans d'autres dimensions, et notamment que ce soit au niveau galactique, mais aussi au niveau en intra-terre. Et j'ai aussi revisité pas mal de vies sur cette planète. Alors, cette expérience m'a fortement ouverte et en même temps m'a fortement aidée. On m'a montré comment l'humain, en fait, comment nous fonctionnons sur cette 3D. Elle m'a montré aussi toute la manipulation, toute la matrice dans laquelle on était enfermé et tous nos conditionnements, nos programmations, la manière, en fait, dont on fonctionne en incarnation ici et pour quelles raisons nous sommes incarnés sur cette planète. Donc, au cours de cette conférence, je vais vous partager ces expériences, je vais vous partager aussi mes compréhensions, ce que l'on m'a montré, en fait, la manière dont fonctionne l'humain en 3D. Je vais vous expliquer un petit peu l'ego, en fait, les méandres et la manipulation de notre ego, mais qui aussi est une aide très précieuse dans notre cheminement et dans notre processus d'évolution. Et aussi, derrière nos expériences de vie, ce que moi je pourrais appeler des initiations, quel cadeau il y a caché derrière tout ça pour nous aider dans notre processus. Et nous ferons également une méditation pour nous aider en fait à nous aligner sur notre mission de vie. Alors je suis très enjouée de vous retrouver le 28 septembre dans la Drôme et au grand plaisir de partager avec vous tout ça. Je suis de mon côté très impatiente et je vous dis donc à très bientôt. Bonjour, je suis Alexis Plasson, inventeur de l'encodeur et des programmes Clés d'Accord. Cela fait maintenant plus de 15 ans que je travaille sur ce projet. J'ai eu la chance depuis des années de recevoir les informations par les aides de haute dimension, ce qui m'a amené à créer une machine que j'ai appelée l'encodeur. Il me partage maintenant d'autres informations sous forme de code de lumière que je transfère dans cette machine. Et ce code informationnel, je sont intégrés sur des supports que j'ai appelés les programmes clés d'accord. Les encodeurs, ils ont été créés pour nous aider dans notre processus d'évolution, pour notre conscience. Début juin 2023, l'encodeur a été validé officiellement par un bureau d'études et de recherche et développement en biophotonique. Actuellement, plusieurs médecins, thérapeutes, particuliers, laboratoires de recherche, entreprises utilisent les encodeurs. Lors de cette conférence, je vais vous présenter le principe de la clé d'accord qui est porteur d'un langage d'harmonie et d'équilibre sur les corps physiques, psychiques et émotionnels. C'est un pont informationnel entre l'univers, l'humanité et le vivant en général. L'objectif est d'apporter différents moyens simples d'utilisation étape par étape, permettant à l'être humain d'améliorer son bien-être tout en lui permettant de développer sa conscience dans de meilleures conditions. Cette transformation personnelle s'inscrit dans un passage à un nouveau monde en lien avec les multi-univers. Je vais vous faire ici un petit rappel pour ceux qui ne me connaissent pas. L'encodeur est une machine qui fonctionne en énergie libre. Elle est 100% autonome, n'utilise aucun consommable et ne produit pas de déchets. Je tiens à préciser que l'encodeur n'est donc pas alimenté électriquement afin d'éviter
toute nuisance électromagnétique perturbatrice. C'est un point qui est extrêmement important, qui génère une différence phénoménale par rapport à ce qui existe déjà. Je vous expliquerai pourquoi et comment l'encodeur génère sa propre énergie en vous le démontrant en tant qu'expert en bioélectrophotonique. J'utilise pour cela du matériel d'analyse en physique quantique de dernière génération. Lors de la conférence, je vous démontrerai l'intérêt de l'encodeur qui est un révélateur et un amplificateur de notre évolution de conscience personnelle et spirituelle. Je vous présenterai les avancées que j'ai pu faire cette année avec en plus et en avant-première la présentation de la dernière innovation technologique qui, j'en suis certain, va plaire à beaucoup d'entre vous. Je vais vous révéler également pour la première fois des informations qui m'ont été transmises par les guides qui me guident quotidiennement dans le projet dans lequel je me suis investi. Vous aurez aussi la chance de pouvoir voir un soin avec un programme clé d'accord spécifique et l'encodeur qui sera commenté par Marie Merlin qui utilise ses perceptions extrasensorielles en décodage énergétique sur les plans subtils afin que vous puissiez mieux comprendre l'intérêt de l'encodeur. J'aurai également une surprise que l'on vous proposera à tous en collaboration avec l'association qui a organisé cette conférence. Et dans l'après-midi, je ferai une méditation. Ce sera un soin collectif avec l'encodeur, les programmes clés d'accord choisis pour l'occasion. C'est un nettoyage énergétique avec ancrage, alignement des chakras, rééquilibrage des organes et des systèmes du corps. Vous allez tous ressentir ces bienfaits dans votre corps en direct. Ce soin, il a la particularité de venir travailler en fonction de chacun pour vous aider dans votre chemin d'évolution. Je vous dis à très bientôt lors de la prochaine conférence et merci pour votre écoute. Bonjour à tous, chères âmes merveilleuses. Je suis Marie Merlin. J'ai plusieurs casquettes, notamment celle de guérisseuse, médium, clairvoyante, coach, conférencière, etc. Je suis une personne qui a reconnecté avec tous ses sens subtils il y a maintenant longtemps de ça. Toutes ces perceptions m'aident beaucoup dans mon dessin d'accompagnement, d'aidante, d'ouvreuse de voix aussi, je le dis modestement, hein, je le précise. Et c'est aussi justement dans cette intention que je viens à vous lors de cette prochaine co-conférence dans la Drôme, le 28 septembre, avec voilà vraiment la volonté d'être le plus possible en intimité dans nos partages, lors de mon intervention, mais aussi des temps d'échange peut-être un peu plus, ben voilà, intimiste. Je vais dans cette conférence aborder avec vous voilà le plus d'outils, de conseils possibles, de choses concrètes, pratiques au quotidien, tirées pour la plupart de mes voilà de mon chemin à moi, de mes expériences sur comment vivre au mieux avec le plus de fluidité et de grâce possible ce chemin de l'ascension vibratoire. Qui est un chemin assez sinueux, mais ô combien exaltant. Et j'ai aussi un autre temps d'intervention prévu ce jour-là avec Alexis Plasson, où je m'appliquerai à traduire, à canaliser les énergies reçues pour le collectif lors de la méditation d'Alexis Plasson avec l'encodeur.
Voilà, et je traduirai donc tout ce qui peut se présenter dans l'invisible à ce moment-là, ainsi que tout ce qui s'apprêtera, tout ce qui nous quittera en fait aussi, parce que ces encodeurs-là, ce ne sont pas seulement des énergies que l'on reçoit, c'est aussi des énergies qui se libèrent. Voilà. Donc j'ai grande hâte à vous retrouver tous dans une vraie profonde authenticité, joie du cœur, compassion et amour inconditionnel. D'ici là, portez-vous bien et plein d'amour à tout le monde.